Balade gourmande dans la nature vendroise. Plusieurs associations du village se mobilisent pour organiser cette balade gourmande pour la journée nationale de la Marche Bleue, ce dimanche 11 octobre. Cette marche, dédiée aux aînés, a pour but de réunir personnes âgées, associations et toutes les forces vives du Biterrois pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et le rôle social qu'ils jouent dans la société. On se retrouve donc à 8h30 devant la Roselière, la résidence de retraite de Vendres, pour le café de bienvenue avant le départ à 9h, pour une balade ludique et facile de 7 km qui est prévue, qui permet la découverte d'un panorama exceptionnel autour du village. Et voici les joyeux marcheurs pour la semaine bleue des personnes âgées. Et bien après 5 km 500 de marche, le premier relais gourmand. Elle est pas revenue, c'est bien. Je n'ai rien mangé les enfants. Tu me donnes un peu de fromage. Ce relais va être bien apprécié par tous les marcheurs. Il y a des mecs, t'es guerrier, tu peux être soldat. Un petit peu de repos après 5 km 500 de marche. C'est dans les pays qu'ils vont traverser. Et un premier arrêt gourmand. En arrivant à la maison de retraite, on prendra la liste pour ceux qui souhaitent commander du fromage. La tome entière est aux environs de 40 euros ou le quart à 10 euros environ. On n'a pas le prix exact. À l'arrivée. Merci. Et bonne dégustation.
Allez, encore une bouteille de vitamine qui va s'ouvrir avant la reprise de la marche. Retour vers le village de Vindre. Une ancienne source ferrugineuse, mais depuis la construction de l'autoroute, la source est tarie. Le château, une ancienne grande maison bourgeoise du temps de la période faste des vignerons, aujourd'hui laissé à l'abandon. Eh bien, les joyeux marcheurs arrivent de la marche gourmande. Après 8 km 200 de marche, et 8 km 200 de marche, nous arrivons à la Roselière. L'arrivée de la marche gourmande après 8 km de marche, 8 km 200 très exactement. Et bien maintenant, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, au retour de la marche gourmande. Alors, eau potable ou non potable ? Oui.